Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo sur la délinquance au Japon. C'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne et j'avoue que malgré la miniature où il y avait des femmes dessus, eh bien je ne parle pas tellement de délinquance orchestrée par les femmes. Toutes ces choses illégales que font les femmes au Japon, et je peux vous dire qu'il y en a. Et c'est donc pour réparer tout ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur les gangs féminins au Japon. Skibang. Le mot skibang, il est pas connu. Enfin, je veux dire, c'est pas comme le mot Yakuza ou Bosozoku limite qui est encore un petit peu connu, ou même Yankee. Skibang, vraiment, j'ai l'impression, c'est un truc qui passe complètement à la trappe, et pourtant c'est un des pans culturels de la délinquance japonaise assez énorme. Les skibang, ce sont avant tout des écolières ou des lycéennes, mais extrêmement violentes et rebelles. Bon, globalement, on va résumer, on va dire un chat est un chat, ce sont des délinquantes. C'est un mouvement né dans les années 60 et qui fait partie intégrante, comme je vous l'ai dit, de la culture nippone. À leur apogée, certains clans comptaient quand même 20 000 membres. Je sais pas si vous vous rendez compte du phénomène quand même que c'était, je veux dire, 20 000 membres. Et puis on n'avait pas qu'un de clan, il y en avait plusieurs, enfin bref, c'est assez énorme. La création de ces gangs skibang, eh bien ça vient vraiment d'une volonté de calquer un peu les messieurs. Les messieurs formaient leur petite bande, et en fait le but des skibang était de montrer que la féminité et la force n'étaient pas incompatibles. D'ailleurs pour faire un petit peu d'étymologie, le terme skibang, eh bien ça vient de deux kanji, donc la femme et numéro. C'est un petit peu dur de traduire ça. En français c'est assez intraduisible, mais si on devait faire une traduction, on va dire, plus littérale du terme, ce serait girl boss, enfin la fille patron. Voilà, mais du coup voilà, je vous ai dit, c'est des lycéennes violentes comme ça, ça se traduit comment visuellement? Le look. Pour ce qui est de leur look, on va dire qu'il y a deux versions. La première, c'est la plus simple, c'est celle de la lycéenne. Comme vous le savez, dans la plupart des lycées japonais, même encore aujourd'hui, on porte un uniforme. Donc en fait, les skibang, eh bien, elles devaient jouer avec leur uniforme pour affirmer leur différence, affirmer le fait qu'elles étaient des délinquantes. Et donc, dans ce style personnalisé, on retrouve une longue jupe plissée, contre la mini-jupe qu'on connaît aujourd'hui. La jupe était surmontée d'un chemisier à manches longues et d'une cravate non nouée sous le col. Chose assez rare pour le notifier, il y avait également des décolletés. Enfin, en vrai, la plupart des skibang, en fait, ouvraient leur décolleté tout simplement pour affirmer encore plus leur féminité et leur différence. Et bien sûr, on n'oublie pas les patchs brodés. Voilà, bon, ça, les patchs brodés pour le coup sur les jupes, c'était forcément interdit à l'école, donc elles ne le faisaient pas tant qu'elles étaient à l'école, mais celles qui voulaient s'affirmer après le lycée, eh bien leur tenue d'écolière, en fait leur tenue lycéenne, pardon, ça devenait leur uniforme de skibang. Donc voilà, ça c'était pour le premier look, et le second look est beaucoup plus terre à terre, j'ai envie de dire. Une tenue d'ouvrier, des bandages ou des brassières pour écraser les seins et une longue veste caractéristique des Bosozoku. Avec tous les patchs brodés par-dessus. Et je vous avoue, ces vestes, je les trouve vraiment très très classe. Ah bah, parce qu'ils font, d'accord, c'est pas bien, mais les vestes quand même. D'autant plus que ces vestes sont léguées entre chaque génération de skibang, donc de délinquants en fait, donc c'est vraiment littéralement le fil rouge de tout le clan. Et donc vous imaginez que ces vestes avaient énormément d'importance aux yeux de ceux qui les portaient. Pour ce qui est du maquillage, il y en avait. Pas beaucoup, mais il y en avait. En revanche, les teintures et les modifications capillaires étaient très communes. Bon, maintenant qu'on a vu le look, c'est bien, mais être une skibang, c'est pas seulement sur le look, c'est aussi dans son comportement. Alors, bien sûr, il y a le fait de parler l'argot japonais avec des mots de vocabulaire un peu particulier, mais aussi l'intonation. Nanyatteno? Nanyattendaya? Ça fait des vagues. C'est rigolo, mais je veux dire, en japonais, quand tu es énervé ou quand tu veux faire le show, toujours tu fais des vagues. Nanyattendaya? La pose aussi, ça pouvait être très important, cette célèbre pose de Yankee. C'est pas un cliché, hein, mec comme meuf, ils s'assiedaient tous comme ça, et le plus souvent avec une clope à la main. Et voilà, ça c'était le stick basique du Yankee, ou de Marie. Maintenant qu'on a vu le look et le comportement, on va essayer de comprendre pourquoi, en fait, à l'époque, les filles voulaient devenir des skibang. Pourquoi on devient une skibang? Il y a une forme d'émancipation féminine que j'aime beaucoup à travers les skibang. Les étudiantes, en fait, elles souhaitent affirmer leur différenciation et leur solidarité entre elles. Mais on doit aussi constater que les filles qui devenaient des skibang, c'était pour la plupart des filles d'ouvriers, et donc elles avaient vraiment un manque de perspective d'avenir et un manque d'élévation sociale potentielle. C'est face à ce manque d'espoir que ces filles cherchent un sentiment d'appartenance, un sentiment de servir à quelque chose de plus grand et de plus louable qu'elles-mêmes. Et ça, ce sentiment d'appartenance, lorsque tu es dans un clan, eh bien, tu l'as à fond. Pour vous donner une idée, la cérémonie d'entrée dans le clan est assez représentative de ça. Pour l'arrivée d'une nouvelle membre dans le clan, une bonne partie du clan devait être présent. On demande à la fille de se présenter simplement et pourquoi elle veut devenir une skibang. Tanaka Takako desu. 17 sai desu. Kongetsu 1 kagetsu kan dake Toyohashi Honbu de yarashite itadakimasu. Une fois cela fait, dans 99% des cas, immédiatement, une senpai va le reprendre pour dire que sa voix est trop fluette et qu'il va falloir qu'elle s'affirme. Parce qu'effectivement, se faire entendre, c'est la base pour se faire respecter dans le clan et monter dans la hiérarchie. Et croyez-moi, de la hiérarchie, il y en a. Parce que justement, les petites bandes de skibang, c'est pas resté à des échelles de la dizaine. Ou que non. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un des plus gros gangs skibang au Japon. Les origines de skibang.
La délinquance mythique qu'on appelle les Bosozoku, motards, est arrivée au Japon dans les années 50. S'en est suivie l'apparition de gangs qu'on appelle Bancho. Et dans tous les extraits qu'on peut trouver de ces gangs, eh bien, on trouve jamais de présence féminine. En effet, aucun chef de clan n'acceptait des femmes dans son clan. Jamais. C'est pour ça que dans les années 70, les femmes ont décidé de créer leur propre clan. L'apparition des skébins intervient précisément au moment où les clans masculins Bancho sont passés de mode. Le terme devient ringard et on parle beaucoup plus de Bosozoku. Et dans ce cadre, nous allons découvrir ensemble la naissance du premier clan de femmes skébins. Août 1981. Nous sommes en août 1981 dans la préfecture d'Aichi, plus précisément dans la ville de Toyohashi. Nous allons suivre une jeune fille, Nobuko, qui traîne de temps en temps avec des Bosozoku. Ces délinquants bikers forment des cortèges la nuit pour impressionner les autres et se faire plaisir. Et Nobuko un jour va être invitée à un de ces cortèges et ça va la marquer à vie. L'expérience va la transcender, tout ce bruit, ces lumières, ça la marque réellement. Et effectivement, lorsqu'on écoute les anciens témoignages des Bosozoku de l'époque, et bien même encore aujourd'hui, ils disent que c'est une sensation mais incroyable. Vraiment, c'est quelque chose, une fois qu'on y goûte, on peut plus s'en passer. Nobuko va alors se mettre en tête de créer son propre gang, pour pouvoir un peu concurrencer avec tout ça. Le nom du clan, ce sera Higashimikawa Skeban Renmei, abrégé Skeren. À sa tête, nous retrouvons bien évidemment la leaduse Nobuko, ensuite on a la sous-chef, Chigusa. Ces deux femmes, quand même, déjà, elles maîtrisent plus d'une vingtaine de femmes délinquantes. Déjà, leur motto ou slogan, comme vous voulez, est très simple. On n'a ni en anti-long, autant qu'on y monte. Au moins, on y monte, makenai. Être assez agressif pour ne pas perdre ni face aux hommes, ni face aux forces de l'ordre. Le groupe va rapidement réaliser des petits délits, voilà, comme du vol à l'étalage, de la délinquance et d'autres types d'actes délinquants sans grande gravité. Ah oui, et aussi, il y en a un qui est assez caractéristique, c'est qu'ils aiment bien déambuler dans la ville en buvant des énormes bouteilles d'alcool. Mais tout de même, en un mois, le nombre de petits délits est quand même assez conséquent, ce qui fait que la chef Nobuko va être pour la première fois arrêtée par la police. Elle est quand même arrêtée pour une vingtaine d'affaires mineures, hein, ça n'est pas sur un ou deux trucs. Et pourtant, en vrai, la police ne peut pas faire grand chose qu'un rappel à l'ordre ou une petite garde à vue, mais voilà, elle peut pas faire grand chose. Et en fait, pendant que Nobuko va être arrêtée, c'est qu'il va se passer un énorme drame. Un jour malheureux, la sous-chef Chigusa meurt dans un accident de moto. Cela va complètement modifier Nobuko qui va vouloir vraiment étendre son influence et ses actes délinquants au maximum. Nobuko va se faire arrêter 6 fois et son objectif à travers toutes ses arrestations, c'est de faire connaître ses agissements et son nom à travers tout le Japon, au-delà des frontières de la petite ville de Toyohashi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour atteindre ses objectifs, Nobuko n'a pas froid aux yeux. C'est comme ça qu'elle va gagner le respect et la dévotion de ses sbires qui n'hésitent pas à maintenant dévouer leur vie et leur âme pour le mouvement. Skeben non tamenara, taiho, tanimae. Si c'est pour le bien du clan, se faire arrêter par la police, ce n'est qu'une formalité. Et c'est comme ça que Nobuko va réussir son pari et son influence va traverser les frontières de la ville et même de la préfecture d'Aichi pour aller vers la préfecture de Shizuoka. A partir de là, ça va se développer en flèche. En 1984, soit 3 ans après la création du gang, elles ouvrent un bureau et une adresse officielle du gang pour orchestrer leur activité 24 heures sur 24. Et en 1985, on compte quand même 1500 membres à ce clan. Vraiment, je trouve ça à chaque fois les chiffres incroyables. Chaque année, la police quand même essaye de les arrêter, voilà, et fait des arrestations, une dizaine d'arrestations par an. Mais je veux dire, une dizaine d'arrestations par an sur un clan de 1500 membres, c'est vraiment une goutte d'eau. Et c'est comme ça que progressivement au Japon, le mouvement Skeban va devenir viral à travers le Japon. Mais une fois que le mouvement se développe, il y a des clans adverses qui se forment. Et c'est comme ça que commence une lutte pour le territoire. La concurrence. Son territoire en japonais, ou même le fait de surveiller en fait son territoire, ça s'appelle le Tachiban. Et comment on défend son Tachiban lorsqu'on est une Skeban? Bien comme ceci. Kono Tachiban ga shongai jiken ni hatten suru kanosei mo. On organise des rondes, et si des intrus se profilent, on les tabasse. Le message de la part de Nobuko, la chef du clan, est très clair. Skeben igai no yankee onna o arukaseru na. Ne laissez pas se balader des femmes yankees autres que celles de notre clan. Les altercations se font de plus en plus fréquentes et voici à quoi ça ressemble en fait concrètement. Ici, ces femmes vérifient les plaques d'immatriculation des voitures pour voir quelles sont les femmes qui reviennent un peu trop souvent dans le quartier une fois la nuit tombée. On peut voir aussi qu'elles faisaient carrément des réflexions aux autres femmes si leurs cheveux étaient teints ou si elles attiraient un peu trop l'attention.
Et cette mini-brigade, voilà, en fait, il y en a plusieurs, forcément, et elles interviennent toujours aussi assidûment. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, toujours. Bon, je suis d'accord pour dire que ce qu'elles font, c'est pas correct, hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais leur dévotion, je trouve ça admirable. Après, il faut pas non plus oublier qu'à certains moments, les bagarres pouvaient dégénérer et tu pouvais rentrer chez toi complètement ensanglanté lorsque tu avais perdu. Et parfois même quand t'avais gagné. Et justement, parlons-en de cette violence. Les punitions et la violence. Lorsqu'on fait partie d'un clan, il faut rester fidèle aux règles du clan. Et lorsqu'on transgresse les règles, il faut savoir en payer le prix. Les clans Skeban ne font pas exception. Les punitions sont appelées Dinti, et c'est une déformation du mot lynchage. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée de l'ambiance qu'il y avait. Et donc le Dinti se faisait lorsqu'on brisait des règles. Et voici un exemple de quelques règles. Ne pas voler le petit ami d'une autre membre. Ne pas se droguer. Ne pas tromper son conjoint. Ne pas être déloyal envers le clan. Il y a plein de choses à dire, je trouve, sur ces règles. Déjà, la première chose, c'est cette mention concernant la drogue. C'est vrai qu'on a souvent les délinquants, la délinquance, voilà, avec la drogue, et ici, il y a une volonté vraiment de complètement se séparer de ça. Il y a plein d'exceptions, parce que forcément, la cigarette, c'était complètement tout le monde fumait, mais la drogue, non. Et autre règle assez particulière, c'est que sur les relations hommes-femmes, eh bien, la vision des clans Skeban, eh bien, était très archaïque, j'ai envie de dire même presque patriarcale, en fait. Et je pense que c'est parce qu'en fait, les clans au Japon font référence au passé, et donc à des doctrines très conservatrices. Mais bon, assez parlé de règles, parlons maintenant des Linchi. Pour ce qui est des châtiments les plus légers, ça se faisait beaucoup à la brûlure de cigarettes. T'avais fait une bêtise, quelque chose comme ça, un irrespect envers un supérieur, un petit irrespect. Hein. Là, en vrai, on te brûlait, par exemple, le bout de la cigarette sur ta peau. Pas agréable. Think harder. Mais ça va, parce que je peux vous dire ce qui arrive après, c'est beaucoup plus hard. Pour des châtiments un petit peu plus, on va dire les châtiments moyens, bien cette fois-ci, on faisait la même chose, on faisait une brûlure avec une cigarette, mais sur les parties intimes. Et sur les grosses fautes envers le clan, bah là on était clairement sur une radiation du clan Skeban, et aussi par un tabassage collectif. Tu rentrais chez toi généralement à moitié mort. Donc voilà, en réalité le niveau de violence qu'il pouvait y avoir dans ces clans Skeban uniquement constitués de femmes, je le rappelle, ce n'est clairement pas anodin. C'était même voire considéré comme étant pire que dans les clans masculins. Et ce qui est assez troublant, c'est de voir que ces femmes qui ont fait partie de ces clans-là à l'époque parlent de cette violence avec autant de légèreté.血が出るまで殴る。で、3回目捕まえた場合はハンゴロシで、4回目捕まえた時ハンゴロシした後にスッポンポンにするやんね。ほいで、その辺歩かせる。ほいで、スッポンポンの前は帰らせる、家まで。ファインドエニティング。なんでそういうことありました?うん、あった。あった。Wow. Et encore une fois, je le rappelle, mais ce sont des lycéennes. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas majeures, ces filles-là. La plupart avaient moins de 18 ans. Comme on l'a vu, la violence est très présente, mais les armes restent souvent rudimentaires. On reste sur la classique batte de baseball, vraiment la basique. Même si le tabassage était vraiment classique, les cas de meurtre sont très très rares, voire inexistants dans les clans Skeban. Après, en ayant fouillé un petit peu, j'ai trouvé un clan qui s'appelle Keiko, qui avait une particularité, parce que tous les membres de ce clan utilisaient une arme un peu différente, un rasoir. Enfin, une lame de rasoir. Et la lame de rasoir, elle les avait tout le temps sur elle. En fait, toutes ces filles qui faisaient partie de ce clan avaient une lame de rasoir cachée entre leurs seins. Ils pouvaient le dégainer à n'importe quel moment pour couper le visage de leur adversaire. Bon. Après, je mets quand même un petit astérix sur cette histoire. C'est parce que j'ai trouvé plein de sources mentionnant ce clan, mais pas des sources japonaises. Donc j'ai l'impression que ce truc-là est un peu à moitié entre une légende urbaine et quelque chose qui a vraiment existé. Donc il est fort probable qu'au fur et à mesure que la légende urbaine se répandait, que les faits ont été de plus en plus exagérés. Revenons maintenant à notre clan. Une fois que les territoires ont été bien déterminés avec quelque peu de violence, il est temps maintenant de passer à la diplomatie. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez particulier, c'est que les Skeban de haut rang, celles qui étaient au top du clan, eh bien avaient une façon de se présenter assez singulière. Alors on écarte un peu les jambes, on se met en avant et on tend la paume droite bien visible. Puis on se présente. Tu dis où tu es né, où tu as grandi, et si tu peux caler deux phrases voilà pour dire un petit peu les trucs stylés sur toi, ça sera toujours du plus bel effet. Mais bon, maintenant qu'on s'est présenté, maintenant que la négociation est faite, maintenant qu'il n'y a plus vraiment de raison de se battre, eh bien, c'est le début du déclin. Le déclin. Les leaders qui se succèdent, le monde qui se modernise dès le début des années 90, c'est dur pour les clans Skeban. Et pour tous les autres clans aussi d'ailleurs. Chez les mecs, c'est pareil. Ils ne vendent plus du rêve, leur hype s'en est allé. Clairement, en fait, ces vieillots, ils sont ringards. En fait. Et en plus, il va y avoir vraiment le dernier coup qui va les achever, qui est la loi anti-gang en 1996. J'ai l'impression de la citer à chaque fois dans ces vidéos-là, mais je veux dire, elle est tellement importante pour que vous compreniez à quel point cette loi a permis d'arrêter tout ce pan de la culture japonaise. C'est dû à cette loi-là. Elle permettra aux forces de l'ordre de sévir contre les agissements de ces clans, et donc ils vont disparaître un à un.
J'en avais déjà parlé dans la première vidéo, mais même si ces clans étaient voués à disparaître et qu'ils faisaient des choses donc illégales et vraiment pas gentilles, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre, mais voilà, ils faisaient des choses pas gentilles. Il y a quand même quelque chose à chaque fois où je regrette qu'ils aient disparu. C'est un peu tout ce côté culturel qu'ils pouvaient avoir. Faut quand même se rendre compte que tout ce qui est la délinquance, les bonsozoku, les skevins, ça fait partie de la culture japonaise et c'est assez malheureux, mais elle n'aura jamais sa place dans un livre d'histoire. Mais tout de même, le mythe. Les femmes violentes s'intriguent. C'est pour ça que même si elle ne trouvera pas sa place dans les livres d'histoire, ça trouvera peut-être sa place au cinéma. Pop culture. Dans la pop culture, les skébins, elles sont ultra nombreuses. Je savais pas que c'était des skébins en fait jusqu'à ce que je découvre le mot, mais en fait, il y en a partout. En réalité, quand tu tapes skébins sur internet et que tu vas dans la section images, tu tombes plus facilement sur des anciennes affiches de films ou de séries mettant en scène des skébins que de réelles photos. Et c'est la Toei Company qui à l'époque s'est gavée sur les films concernant les skébins. On a Lynch Law Classroom, Girl Boss Guerilla, Skébang Deka, Pinky Violence, Délinquante Girl Boss. Bref, je vous cite ces films et ces séries en balle pour que vous vous rendiez compte le nombre qu'il y avait en un laps de temps aussi court. Franchement, le truc était plus repris qu'une trend TikTok. Ouais, je voulais casser cette phrase de vieux là. Ça faisait bien boomer, c'était parfait. Même vous, je suis sûr que vous connaissez au moins une skébang, ne serait-ce que dans Kill Bill. Gogo, dans Kill Bill, c'est une skébang. On est complètement dedans. Une tenue lycéenne, une féminité apparente, mais une violence inouïe. En revanche, on constate quand même que sur les armes, il y a peut-être exagération. Et justement, cette exagération, c'est là où je voulais en venir. C'est que tous ces films, ces séries ont vachement déformé l'image originelle qu'il y avait une skébang. Là où l'inspiration des skébangs réels s'arrête, c'est lorsqu'on voit dans des films des lycéennes de 16 ans porter des katanas. Tout ça, ça a été ultra romantisé. Dès le début des films, on voit les skébins en train de tabasser des mecs pour dire voilà, nous on est des femmes mais on est forts. L'idée est trop bien, mais je veux dire, dans la réalité, les altercations entre les clans skébins et les bosozoku ne se faisaient, mais c'est, ça existait quasiment pas en fait. En vrai, durant toutes mes recherches, je n'ai jamais trouvé une skébin qui portait une tenue d'écolière de lycéenne et qui était réellement une skébin dans la vraie vie, pas une actrice. J'en ai pas trouvé. Les vraies, elles ont toute cette veste caractéristique et malheureusement, j'ai l'impression que tous ces films déforme ce que la culture skébang était réellement. Donc d'un côté c'est vraiment cool de pouvoir retranscrire et de pouvoir garder en mémoire ce pan de la culture japonaise, et en même temps ils le déforment complètement. Je vais même pas parler des animaux où on est complètement dans le fantasme absolu, là c'est vraiment la fille toute mignonne comme ça, qui est ultra violente en fait. A noter qu'il existe quand même des films comme Terrifying Girl Classroom ou encore Lynch Law Classroom, mais ce sont les seuls documents disponibles sur la complexité, l'histoire et la légende des skébangs. Les femmes yakuza. Ah, je pouvais pas parler de criminels sans mentionner au moins une fois ces fameux yakuza. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me renseigner sur les yakuza pour faire une vidéo concernant les yakuza les plus emblématiques du Japon. Et j'en ai trouvé un qui est incroyable. Son surnom, si vous voulez savoir, c'était le bébé démon. En fait, ça venait du fait qu'il avait une tête complètement d'innocent et c'était pourtant le plus gros bagarreur de tout le clan. Bref, j'en dis pas plus, ce sera pour une autre vidéo. On va se concentrer sur les femmes yakuza. Est-ce que les femmes yakuza, ça existe? Oui, totalement. Parmi les organisations, elles se font rares, mais pas absentes. Sans compter que pour les hommes yakuza, pour certains sont mariés et ont des enfants, ça fait donc des femmes et des filles qui gravitent autour du clan. Une femme yakuza dans son couple, eh bien elle a le même rôle que n'importe quelle femme en fait au Japon. Elle tient la baraque. Même si elle ne participe que très rarement aux activités du clan, elle en fait tout de même partie. Dans son documentaire, Chloé Jaffé, qui est restée 6 ans auprès de ces individus, explique que ce sont des femmes au foyer, comme il y en a partout au Japon. Sauf une chose, et j'aime beaucoup ce qu'elle dit Chloé en fait, c'est qu'elles ont toujours la boule au ventre de savoir si oui ou non ce soir leur mari va rentrer vivant. Ou non. Et si ces femmes participent aux activités du clan, ce sera le plus souvent pour gérer un bar ou devenir hôtesse. De ce que j'ai compris, les femmes yakuza, en fait, elles restent entre elles parce qu'elles se comprennent et elles ne peuvent pas vraiment se mélanger avec les katagi. Les gens qui sont pas yakuza. Une note manuscrite de Yuko, une fille de yakuza, dit « La raison pour laquelle je me suis fait tatouer, c'est que je voulais décourager certains gars de m'approcher. Je veux vivre ma vie de manière indépendante, sans dépendre d'un homme. C'est l'idée qui m'a encouragé à commencer à me faire tatouer. J'avais 38 ans. Pour le reste de ma vie, j'ai décidé de vivre de façon indépendante et seule. Pour moi, mon tatouage dans le dos est une preuve de fierté et quelque chose qui me garde et me protège. » C'est assez impressionnant comment le pire des systèmes patriarcales peut devenir la plus grosse force pour l'indépendance d'une femme. Conclusion. Les lycéennes japonaises, ultra rebelles, ultra violentes et pourtant très féminines, ça existe. Ce n'était pas un mythe, en tout cas ça a existé. C'est un mouvement qui a tout comme les bosozoku quasiment disparu, mais il existe encore à travers la pop culture. J'aime beaucoup m'intéresser à ce genre de cas de violence en fait au Japon, parce que quand on parle de Japon, on a toujours cette image du pays ultra safe, et quand on voit qu'il peut y avoir des clans, des organisations, de la violence mais vraiment incroyable, et on est toujours surpris. Et je pense que c'est encore plus marquant lorsque ce sont des femmes qui sont à l'origine de cette violence. Toutefois, c'est dommage que l'industrie du cinéma se soit servi de ça pour donner une image faussée de la skébang, en allant même parfois à produire du contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce vers le haut et à vous abonner si ce contenu vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.
now. Idiot. Come on. Huh?